dans un nouveau vlog. Bon, c'est de s'y faire aussi, de s'y réhabituer. Là, je vous filme avec mon téléphone. Ça va être une nouvelle façon de filmer pour moi. Je cherche une pince. Hop là, voilà. Ça va être une nouvelle façon de filmer pour moi. Pourquoi? Parce que, encore une fois, j'espère que je parle assez fort. Encore une fois, je me suis fait avoir avec mon appareil photo, puisque au moment de monter, le tuto du tout petit mini, je me suis retrouvée avec une vidéo en moins. Voilà. Alors, est-ce que j'ai mal appuyé, c'est pas enclenché? Est-ce qu'il s'est enclenché, mais il n'a pas enregistré? Puisque devant, il me mettait des erreurs cartes, il mettait des trucs, donc je pense à rien. Donc du coup, ce que j'ai fait toute cette semaine, vous ne m'avez pas vu en vlog, c'est que, eh bien, j'ai mis mon gros appareil photo qui me sert à vlogger en haut. J'ai filmé avec eux, avec lui, avec elle. Hein. J'ai plus ma petite. J'ai filmé du coup avec le tout petit, avec le gros, ce qui fait qu'en plus je n'ai pas eu de vidéo floue, parce que ça faisait plusieurs reprises déjà que j'avais des vidéos floues. Marie, ton écran, ton petit truc est là. Je m'excuse, je suis malade. Du coup, oui, donc je disais, oui, donc du coup, je me sers du gros pour filmer, mais ça va être une vraie misère si je le décroche sans arrêt pour vlogger. C'est un truc, est-ce qu'en plus, comme il faut le tournicoter, faut le tourner pour pouvoir l'accrocher, c'est un truc, est-ce que je suis pas très très rassurée, là je suis pas très très rassurée qui sont en haut, mais en plus si j'y touche sans arrêt, voilà. Donc du coup, on teste de filmer. Là, il est 5h25, je suis désolée si ça vous a éclaté les tympans. Voilà, et là, c'est pour que je dise, Marie, bouge ton popotin. Donc, maintenant, je vais essayer de vous filmer directement avec mon téléphone, ce qui fait qu'en plus, je vous aurai tout le temps avec moi. Voilà, vu que j'ai trouvé comment faire pour les récupérer et pouvoir les monter, impeccable. Voilà, vous m'avez en gros plein de maquiller, je vous jure. J'ai une sale tête, je suis fatiguée, je suis épuisée, malade, enfin bref. Marie le retour. Marie qui est un cerfeuil du retour. Ça va être au minimum le mon maquillage ce matin. Juste un petit coup quand même pour cacher la misère. Mon truc il arrive au bout. Voilà, donc quoi de neuf pendant ces une semaine où je ne les ai pas filmés, j'ai gardé mon bébé, ma nièce, hein. Donc voilà, on en a discuté un peu en live si vous n'avez pas regardé. J'ouvre le deuxième. Donc j'ai gardé mon neveu et ma nièce qui ont été assez sages dans l'ensemble, pas à me plaindre, hein. On avait fait un petit marché, le matin ils jouent calmement que je filme, et l'après-midi, eh bien, ils peuvent faire un peu plus de bruit, ce qui fait que j'ai pu avancer dans mon tuto. J'ai filmé 4 parties sur les 13 de mon tuto de la ladies. Et j'ai dû me stopper en plus, non pas à cause des gosses, mais parce que je n'avais plus de papier Ingola pour les espaces photos. Je devais les recevoir vendredi. Mais comme l'interphone était éteint, eh bien, quand le facteur a sonné, j'ai pas entendu. Donc il est repassé que samedi. Mais samedi, je suis une 16h, donc j'ai pas repris. Et hier, j'étais tellement malade que je ne l'aurais pas filmé. Voilà, on va dire que c'est bien. Vous en pensez quoi? Vous en pensez bien aussi? Bon.
J'ai fait le coffret naissance de ma bébête. Alors, je ne l'ai pas fini parce que je veux y incorporer une sorte d'album. Donc ça, ça y est, j'ai trouvé ce que j'allais faire. Au départ, je voulais faire un truc simple d'album et tout compte fait, non. Mais ça y est, j'ai trouvé ce que j'allais faire. J'ai fait la structure de l'album aussi. J'y suis allée quand j'ai pris 10 cm de tranche parce que je veux faire 5 pages. Donc ça... j'ai fait donc une déco coffret naissance et je vous les montrerai plus tard. Et mon album naissance aussi en 3D. Donc c'est les mots écrits mais en 3D. D'ailleurs elles sont déjà disponibles en boutique parce que j'ai une cliente qui voulait. J'ai essayé de mettre des trucs en boutique hier. Il me reste encore des trucs à finir et à mettre en boutique que je voulais faire avant la reprise mais j'ai pas eu le temps de tout faire. Ouais, tu m'as un peu de l'art, pire ou pas? Non. J'ai les yeux qui pleurent là, c'est pas bien. Donc ça, j'ai fait des chiffres aussi pour mettre justement dans le coffret naissance 1 à 12 et qui iront aussi certainement dans l'album photo. Donc pour le moment, j'en ai fait un. Je ferai l'autre par la suite. C'est pareil, ils sont dispo en boutique. Et j'ai un pigeon. Non, j'ai pas de pigeon, je vous rassure. C'est juste le lave qui a un shader et qui arrête pas de faire le pigeon. Et là, je vois ma tête de comment je suis coiffée. Et je me dis, Marie, qui t'a pas commencé ton lissage? Oh. J'ai l'œil. Voilà, ça y est, mon œil recommence. Donc voilà, je prends les choses que j'avais d'autres à vous dire. Pas grand chose. Côté horizon créatif, je me suis lâché ce mois-ci puisque vous venez d'avoir le premier, le deuxième, donc le premier c'est celui de Pépette. Puisque 2 jours après celui de Pépette, j'en ai commandé un autre. Vous l'aurez cette semaine, je sais plus quand. Non, tu n'as pas dans la machine à laver, l'Olaf. Je sais plus c'est quand qu'il est prévu. Cette semaine, je pense qu'il doit être prévu mercredi. Et j'en ai reçu un samedi. Du coup, que j'ai filmé, j'ai pas encore monté. Et je sais plus. Alors lui, il est prévu dans longtemps. Ça, je crois qu'on a déjà tout. Il y a tellement de trucs que j'ai terminé mes gobelets. Voilà. Et c'est même reparti chez ma cliente. Après, ils sont repartis, ils sont en route. Mon mari les a déposés. Je crois que c'est jeudi au Mondial Relais. Donc, il ne devrait pas tarder à arriver, je l'espère, avant les grosses grèves. Donc ça... D'ailleurs, c'est pour ça que je me suis un peu dépêchée aussi de... Oh, ouais, je sais plus. Qu'est-ce que j'allais dire? Voilà. J'ai la gare, toi, pleurer. Jenny qui coule. C'est la fête, moi je vous dis. Donc ça, quoi d'autre? Bah rien, je crois que... côté montage, j'ai super avancé du coup, puisque mes 4 montages sont faits. J'avais plein de montages à faire et du coup, eh bien là, je n'en reste qu'un montage à faire. C'est mon haul que j'ai reçu samedi que je devais faire hier, mais je me sentais pas la force. Marie, tu es en retard, t'as encore des chaussettes à mettre.
Ah, mais là, ils sont bouclés parce que je suis allée au bain hier soir et du coup, comme je les ai pas séchés, c'est la merde. Bon, allez, moi je vous laisse, je vous reprendrai en rentrant du travail. On va dire que c'est là derrière. Et tout à l'heure, on fera certainement le point lecture, le point série aussi, pourquoi pas. Enfin, côté lecture, côté lecture, quoi qu'on peut le faire maintenant, j'ai pas encore fini. Et mon chat. Côté lecture, et bien, je suis toujours dans la série des Veilles Bennett. J'adore. Je les ai enchaînés. Comme j'ai pu, mais enfin, je les ai tous enchaînés un par un, même si j'ai pas avancé comme je voudrais. Là, je suis sur la sœur Alice. Il m'en restera plus que trois après. Les derniers jours. Blake. Attends, j'ai mis, c'est Blake et Daniel. Et la petite dernière, le petit bébé de la famille, Summer. Donc voilà, ça, ce sont les derniers. Hop, qu'il me restera à faire. On va dire que c'est bien. Ah, on va pas chercher non plus. On va pas en défier une mode, hein. On va travailler. Voilà. Oh, allez. Direction. Mets tes chaussettes. Je reprends plus tard. Ça y est, je suis rentrée, je suis de retour. Bon, il est... J'allais prendre mon téléphone pour regarder l'heure qu'il est. Mike, tu filmes avec ton téléphone. Ouais. Au niveau retour caméra, je vois que c'est plutôt... C'est le bordel, voilà. Je vois que c'est plutôt pas mal, j'espère que ça va le faire. Après, j'ai une bonne qualité. C'était important pour moi, justement, quand j'ai acheté ce téléphone, de faire ça. Donc, il est 9h54, déjà. Je ferme tout ça. Ça fait plus propre, oui. Ah non, là vous avez ma bannette, ma bannette de linge et mon manteau. Voilà, j'ai tout largué comme ça parce que j'ai tout fait avec ma patronne. Bon, YouTube veut que je mette mon identité. Je sais même plus c'était quoi mon mot de passe. Ça a coupé. Bah oui, puisque du coup, il m'a demandé de valider mon téléphone. Oui, voilà, c'est ça. Je sais pas vous, mais voilà, quand Google veut que je m'identifie à nouveau, parce qu'il y a trop longtemps que je ne me suis pas identifiée, en fait, il envoie un message à mon téléphone pour voir si c'est moi ou si c'est pas moi, et qu'il faut que je mette « oui, c'est moi ». Et de là, il me donne un code, un chiffre, en fait, à deux chiffres. Oui, un chiffre à deux chiffres. Un nombre à deux chiffres, voilà. Et pour que je puisse valider pour que ce soit moi. Donc, ce qui est bien parce que ça évite le piratage. Oui. Bon, première partie de mini tuto est en ligne. J'ai vu quelques petits messages qui a l'air de vous plaire. Il faut que je pense plus souvent à vous partager sur les groupes. Là, d'ailleurs, je vais le faire après. Aujourd'hui, c'est du speed. Vous avez pu voir, je suis allée me chercher du café parce que j'en avais presque plus. Et j'ai pris, en mauvaise mère que je suis, un sandwich à mon fils. Bon, mon fils, il va être très très content, parce que alors lui, le midi, c'est, il aime bien, c'est pizza chorizo. Là, c'est ma tablette. Pizza chorizo, ou bien sandwich. Donc là, j'ai pris un sandwich, parce que je voudrais bien mettre un coup de speed. Je voudrais au moins tourner 3 vidéos aujourd'hui, faire mon montage de mon vlog, de mon haul Horizon Créatif, et un montage que j'aurais fait aujourd'hui. J'aimerais. Attention, pour le moment, il faut que je commence par
envoyé un mail du coup à ma chef avec les heures sup des filles qu'elles ont fait pour qu'elles puissent pour qu'elles puissent faire les pointages et impeccable, mes vidéos sont déjà sur Google en plus, c'est génial. Et j'ai des photos à lui envoyer, hop là, du travail. Par contre, ça va mettre un dossier compressé si je fais ça, voilà. Enregistrer. Voilà. Donc là, je fais ça et après je reprends mon tuto. Donc je dis, le but étant d'essayer d'en tourner au moins trois. Donc j'aimerais bien en tourner un ce matin, deux cet après-midi. Comme ça, là je fais ça, je tourne ma propre, je prépare et je tourne ma vidéo. Ce midi, donc Jojo il est là, je prépare mes pages et après on verra bien si j'arrive à faire ou pas mes trois vidéos. Ce serait plutôt pas mal parce que je passerai de 4 à 4, 5, 6, 7. 7 sur 13, ce serait plutôt pas mal. Bon. J'ai dit, ce serait bien. Est-ce que je vais réussir? Ça va être autre chose. Bon, du coup, ce que je fais, c'est que je reprends tout à l'heure. Another lazy afternoon. The clouds covered in gray. Third coffee of the day. Almost fell asleep on Zoom. I yawn at the display. Third meeting of the day. But I can hear raindrops step dancing on the roof. It's like they're calling out, don't lose your youth, cause I can stay inside and step away inside. Oh, make today just a little less mundane. Oh, I can stay inside and step away inside. Oh, take today for dancing in the rain. Hey. As a little child, I naturally would see magic in the world around me. Now I often get so tired, it's harder just to be fascinated, breathing free. But I can hear raindrops step dancing on the roof. It's like they're calling out, don't lose your youth, cause I can stay inside and inside. Oh, make today just a little less mundane. Oh, I can stay inside and take away inside. Oh, take today for dancing in the rain. Hey. Chiffon dress, I don't care today what the neighbors might say. Put on my rain boots, my favorite chiffon dress. Coucou tout le monde. Bon, première vidéo tournée. Oui. Je vide ma carte mémoire. Hop là. Coupé. J'aimerais en dire qu'il y a longtemps que j'ai entendu mon petit pigeon. Montage à faire là, voilà, hop. Je colle, comme ça je vais pouvoir les renommer et savoir du coup qui est quoi, c'est vraiment beaucoup plus simple, voilà ce que ça donne. Maintenant, Marek, ton aimant il tient pas, bah, bien sûr qu'il tient pas puisque tu l'as mis à l'envers, donc voilà ce que ça donne. Donc beaucoup plus masculin, si on peut dire, que celui de la personne, donc je reprends l'album. Puisque elle a mis plus un style de bordure dentelle. Moi, ça reste à Lady, c'est assez steampunk, donc je voulais pas de dentelle, je voulais plus du comme ça. J'ai hésité à mettre une flèche aussi pour tenir fermé, mais je me suis dit non. Donc voilà. Hop, hop, hop. Donc cet après-midi, objectif tourné celle-ci et l'autre d'après. Là, je reprends rien tout de suite parce qu'il est 11h52. Que je papote avec ma Nino au passage, et que je ne vais pas tarder à arriver, donc je vais me contenter de préparer les prochaines pages, déjà. Hop. Donc voilà. Donc c'était tout ce que j'avais à dire pour le moment, je continue pas papoter avec ma Nino, et je vous reprends un peu plus tard, on fait comme ça. Bon,
Je suis contente. Pour le moment, je suis au taquet. Même si, franchement, je crois que j'ai de la fièvre. Je vais aller prendre ma température aussi. Mais fièvre ou pas fièvre, faut que j'avance. Re-coucou tout le monde. Ouais, j'ai fait ça parce que je croyais que ça s'était pas enclenché, mais si, si, c'est enclenché. Bon, il est 15h50 et vous savez quoi? Je m'apprête à faire mon montage de mon hall Horizon Créatif que vous aurez. Ouf! Mais ça, quand est-ce que vous l'aurez? Attendez, je vais vous dire ça. Calendrier. Donc vous en avez un le 1er mars, mais c'était celui d'avant. Donc 1er mars, c'est mercredi, ça vous laisse pour vous demain. Et l'autre d'après, celui que je vais vous monter là. Ouh. Vous l'aurez le 23. Oula. Ça fait très très loin quand même. Ouais. Bah ouais, vous avez les tutos avant. Donc vous l'aurez le 23. Vous aurez le temps de voilà. Je sais pas si j'ai dit la date dedans, mais il va falloir que je précise quand même, parce que vous allez dire, mince, on sait que t'avais tout ça, mais nous, il n'y a plus rien. Oh non, d'ici là, du coup, Nino, on l'aura peut-être remis. Oh non, pièce. Il y en a là, hein, je vous rassure. Hein. Tout ce que j'ai acheté, il y a encore en boutique. Hein, puisque les aimants, j'en ai encore dans mon panier. Le papier, il y en avait encore. Donc voilà. Donc voilà. Donc, qui dit que je suis dans mon hall avant que Jonah arrive de l'école, c'est parce que, oui, j'ai fini mes trois vidéos. J'ai réussi à les tourner. Voilà. J'avais mis quatrième au cas où, mais bon, déjà, trois, c'est plutôt pas mal. Là, en plus, j'ai très, très froid, je suis fatiguée. Mais c'est ma trêve qui parle. Tout à l'heure, j'avais un peu de fièvre. Là, je crois que c'est parti parce que, bah, du coup, j'ai pris un Doliprane. J'essaie de m'hydrater quand même avec la framboise, mais j'ai presque plus de framboise. Enfin, j'ai racheté. Et peut-être me faire un café, ça va me réchauffer aussi. Donc, voilà. Bon, j'ai plein de messages qui s'attendent. Donc, je vous reprends tout à l'heure. Allez, je fais mon montage. Coucou à tous. Ouais, alors là, j'ai une dégaine d'enfer. Il est 8h24. Je suis congelée. Je sens la crève qui est là. C'est total. J'ai plutôt bien avancé. Mon montage est fait. J'ai fait la décoration de ma structure. Comme ça, demain, je ferai les photos pour faire toutes les miniatures. Alors, elle est assez simple. Mais je sais pas trop quoi mettre de plus. Excusez-moi. Le papier parle de lui-même. Hein, le dessin est grand, donc on peut pas rajouter non plus énormément de choses. Ici, moi, c'était tag à faire, mais je les ferai qu'à la fin. J'ai rajouté un petit peu de déco ici par rapport à ce que j'avais fait en vidéo ici et ici. Donc c'est pareil, le dessin prend. En fait, je rajoute de la colle parce que en fait, c'est censé être autocore, mais ça colle. Voilà. Là, j'ai encore rien mis. Et ici, pareil, j'ai encore rien mis. Et il me restera l'autre aussi, mais là j'en peux plus. Franchement, j'avance, j'ai deux temps avancés. Trop, trop, trop fatigué. J'ai rangé un petit peu, là j'ai déjà passé un coup de balai par terre. Parce que j'avais des papiers partout. Et je vais bah, avancer. Voilà. Bref. J'avais dit que je reparlerais de livres. Alors, livres, je crois que je vous en ai parlé ce matin. Oui, je vous en ai parlé ce matin, donc ça c'est bon. Et côté série, bah voilà, je regarde de Ginny et Georgia, et franchement, au départ, quand je voyais les extraits et tout, je me disais, ouais, non, je vais pas kiffer, je vais pas kiffer, c'est. Après, je me dis, oh, ça. Après, je me dis, bon, après tout, j'ai bien aimé Gilmore Girls, donc voilà. Et en fin de compte, je kiffe. En fin de compte, je kiffe parce que c'est plus space que je pensais, en fait. La daronne me fait rire. Enfin, c'est même pas une mère, en fait. Enfin, oui, ça reste une mère. Mais des psychopathes. Je vous jure. Bref. Du coup, donc voilà. C'est tout de plus. J'ai regardé une autre série aussi la semaine dernière. Qui était plutôt pas mal. C'est Ghost of War, je crois que ça s'appelle. C'est sur Netflix aussi. C'est ça, Ghost of War, avec des fantômes qui piègent une ville, ils peuvent plus sortir, et il y a un gars qui peut voir les fantômes et tout. Mais suite à un tremblement de terre, les fantômes sont bizarres, ils sont devenus, voilà. Donc ça. Le petit Naël est né ce matin à, je crois que c'est 10h43, donc Lana m'a tout envoyé. La taille, le poids et tout ce qui s'ensuit. Je vais pouvoir faire les nouveautés, j'espère, demain. On va bien voir. Donc voilà. Je vous l'ai dit, je suis épuisée.
Comme ça, je vais pouvoir finir le coffret naissance, parce qu'il paraît que aussi, ça va être à regarder aussi dans tout ça. Peut-être pas mettre là, je vais mettre l'autre côté. Donc voilà. Je suis, ouais, épuisée. Je pense que je vais pas bouquiner longtemps ce soir. Donc voilà, moi je vais vous souhaiter une très très bonne nuit. Et puis du coup, bah, on se retrouve demain pour un nouveau vlog. Et moi j'aurai le verdict demain si les vlogs avec le téléphone, ça le fait ou ça le fait pas. Donc voilà. J'ai une tête fatiguée, vous trouvez? Bref. Allez. À demain. Bonne nuit.